Un mardi matin d'automne, à 8h30 précise, Sherlock Holmes reçut un message disant que deux hauts fonctionnaires allaient venir lui rendre visite à Baker Street à titre privé et sous le sceau du secret le plus absolu. Les voilà. Oui, bon, j'ai compris. Il faut encore que je me dépêche. Je sais, bref, monsieur Holmes. Un document a été volé dans le coffret où je mets le courrier officiel. Quand j'ai découvert cette disparition ce matin, il était 8h, j'en ai tout de suite informé le Premier ministre. C'est à sa suggestion que nous sommes venus vous voir tous les deux. En avez-vous informé la police? Non, monsieur, nous ne l'avons pas fait. Et il est impossible que nous le fassions. En informer la police équivaudrait finalement à en informer le public. Ce que nous tenons particulièrement à éviter, messieurs. Et pourquoi? Parce que le document en question est d'une importance capitale et que sa publication pourrait très facilement et même très probablement avoir des conséquences extrêmement graves sur le plan européen. Il est nécessaire de retrouver ce document dans le plus grand secret, sinon ça ne vaudrait même pas la peine de le retrouver, parce que le seul but que poursuivent ceux qui l'ont volé est de faire connaître à tout le monde ce qu'il contient. Oui, je comprends. Watson, asseyez-vous. Monsieur Trelawney Hope, je vous serais très obligé si vous me décriviez exactement dans quelles circonstances ce document a disparu. C'est en tant que secrétaire des Affaires européennes que j'ai reçu la lettre il y a 6 jours. Elle avait été envoyée par un souverain étranger. Elle était si importante que je ne la laissais jamais au coffre de mon bureau le soir, mais que je l'emportais avec moi à mon domicile à Whitehall Terrace et que je la déposais dans ma chambre dans un coffret spécial fermé à clé. Et vous êtes certain qu'elle y était la nuit dernière? J'en suis tout à fait certain parce qu'il se trouve que j'ai ouvert le coffret pendant que je m'habillais pour le dîner et que j'ai vu la lettre à l'intérieur. Le coffret était posé sur ma table de chevet. Ma femme et moi avons le sommeil léger, nous sommes prêts à jurer que personne n'est entré dans notre chambre cette nuit et pourtant ce matin, il n'y avait plus de lettre. À quelle heure avez-vous dîné? À 7h30. Quand êtes-vous allé vous coucher? Ma femme était allée au théâtre. J'ai attendu qu'elle revienne. Il était 11h30 quand nous sommes allés nous coucher. Donc, pendant 4 heures, le coffret est resté sans aucune surveillance. Monsieur Holmes, l'accès de cette pièce est interdit à tous, sauf à la femme de chambre le matin et à mon valet le reste de la journée. Ces domestiques sont des gens de confiance et à notre service depuis des années. De plus, il est impossible que l'un ou l'autre ait pu savoir que ce coffret renfermait quelque chose ayant plus de valeur qu'un document ordinaire. Votre femme devait le savoir. Monsieur Holmes, il y a longtemps que je connais le sens élevé du devoir de Monsieur Rowe envers ses fonctions. Je suis persuadé que dans une affaire de cette importance, il aura su le faire passer bien avant les liens les plus intimes de sa vie privée. Vous ne faites que me rendre justice, Monsieur le Premier ministre. Jusqu'à ce matin, je n'avais pas soufflé un mot de cette affaire à mon épouse. Qui en Angleterre connaissait l'existence de cette lettre? Chaque membre du cabinet a été mis au courant hier, mais la règle du secret qui règne sur chaque réunion du cabinet a été rendue plus stricte par un avertissement solennel de Monsieur le Premier ministre. Oh, Seigneur! Dire que quelques heures plus tard, c'est moi qui ai perdu cette lettre. Mis à part les membres du cabinet, il n'y a que 2 ou peut-être 3 personnes du ministère qui sachent que cette lettre existe. Personne d'autre en Angleterre n'est au courant. Mais à l'étranger?
Je pense que personne à l'étranger ne l'a vue, excepté la personne qui l'a écrite. Même ses ministres ne doivent rien savoir. Nous savons que les voies officielles habituelles n'ont pas été utilisées dans cette affaire. Je dois vous demander d'être plus précis sur le contenu du document volé. Et de me dire pourquoi sa disparition aurait des conséquences si fâcheuses. Eh bien, monsieur Holmes, l'enveloppe est longue, étroite et de couleur bleu pâle. Il y a un cachet de cire rouge représentant un lion couché. Elle est adressée d'une écriture puissante et large. Tout aussi intéressant et même essentiel que soient ces détails, mon enquête doit absolument aller au fond des choses. Qu'y avait-il dans cette lettre? Il s'agit d'un secret d'État de la plus haute importance que je ne puis vous révéler. J'ajoute que ça ne vous serait d'aucune utilité. Si vous avez vraiment tous les dons que l'on vous prête, alors vous trouverez l'enveloppe que je viens de vous décrire avec son contenu. Notre pays vous en sera infiniment reconnaissant et vous aurez gagné la récompense de votre choix, s'il est en notre pouvoir, de vous l'accorder. Chers messieurs, vous êtes les deux personnes les plus occupées de ce pays. Je suis moi aussi, en toute modestie, assez pris par des affaires très importantes. J'ai le grand regret de vous dire que je ne suis pas en mesure de vous aider. Il est donc inutile de continuer cet entretien, ce ne serait qu'une perte de temps. Je n'ai pas l'habitude d'être traité de cette Monsieur façon. Monsieur le Premier ministre. Soit, Monsieur Holmes. Nous acceptons vos conditions. C'est vous qui avez raison. Il serait déraisonnable d'espérer que vous vouliez nous aider si nous ne vous faisions pas confiance. Je suis entièrement de votre avis. Je vais donc tout vous dire en me fiant entièrement à votre honneur et à celui de votre collaborateur, le Dr. Watson. Je fais appel à votre patriotisme aussi, car je ne saurais imaginer de plus grand malheur pour l'Angleterre que la divulgation de cette affaire. Vous pouvez avoir confiance en nous. Cette lettre qui vient d'être volée a été écrite par un souverain étranger qui semble avoir été fortement irrité par l'étendue de notre récent développement colonial. Elle a été écrite à la hâte et sous la pleine et entière responsabilité de ce souverain. Ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'elle est rédigée de façon si malheureuse et maladroite que sa publication ne pourrait que provoquer les plus dangereuses des réactions dans notre pays. Les esprits s'échaufferaient tellement, monsieur, que je n'hésiterai pas à dire que moins d'une semaine après la publication de cette lettre, nous serions obligatoirement engagés dans une grande guerre. Il est évident que cela signifierait pour notre pays une dépense de plusieurs millions de livres. Et surtout la perte de milliers de vies humaines. En avez-vous informé l'expéditeur? Nous lui avons envoyé un télégramme chiffré. Mais peut-être désire-t-il la publication de cette lettre? Non, docteur, nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'est déjà rendu compte qu'il avait agi d'une façon aussi irréfléchie qu'impulsive et que les conséquences seraient plus graves pour son pays que pour le nôtre, si cette lettre ne restait pas secrète. Alors, dans ce cas, quel serait l'intérêt de faire connaître ce document? Pourquoi quelqu'un l'aurait volé pour le faire publier? Là, docteur Watson, vous m'entraînez dans le domaine des hautes sphères de la politique internationale. Mais si vous considérez la situation européenne, vous n'aurez aucune difficulté à comprendre quel est le motif. Il y a deux coalitions européennes très bien armées. La Grande-Bretagne assure l'équilibre. Si jamais elle devait entrer en guerre avec une de ces deux coalitions, cela assurerait la suprématie à l'autre. Que cette dernière entre dans cette guerre ou non. Ce sont donc les ennemis de ce souverain qui auraient tout intérêt à faire publier cette lettre pour creuser une brèche entre son pays et le nôtre. C'est cela. Et si ce document tombait en de mauvaises mains, qui serait-il envoyé? À n'importe laquelle des grandes chancelleries d'Europe. Il est fort probable qu'en cet instant, ce document ait déjà en route et qu'il file à toute vapeur vers l'inconnu. Oh. C'est un grand malheur qui s'est abattu sur vous, mon cher ami, mais vous n'êtes pas à blâmer. Vous avez pris toutes les précautions qu'il fallait. Voilà, monsieur Holmes. Vous êtes en possession de tous les faits. Que devons-nous faire, à votre avis?
Vous croyez que si on ne retrouve pas ce document, ce sera la guerre? Je crois que c'est très probable. Alors, préparez-vous à la guerre. Ce que vous dites est dur, monsieur Holmes. Considérez les faits. Il semble certain que ce document a été volé entre 7h30 et 11h30 dans la soirée d'hier. Alors, où peut-il être maintenant? Le voleur n'a aucune raison de le garder. Il n'a pu que passer de main en main, rapidement. Pour arriver jusqu'aux gens qui paieront cher pour l'avoir. Quelle chance avons-nous de le récupérer ou de retrouver sa trace? Il doit être loin, maintenant. Ce que vous dites est parfaitement logique, monsieur Holmes. Et je crois que nous ne pouvons rien faire, sinon vous faire confiance. Bon, en attendant, Hope, nous ne devons pas nous laisser distraire des devoirs de nos fonctions à cause de ce malheur. Et si cette affaire connaissait de nouveaux développements dans la journée, nous vous les communiquerions tout de suite. De votre côté, je suis sûr que vous nous ferez connaître les résultats de vos recherches. Merci. La situation est grave, Watson. Mais pas désespéré. Il n'y a que trois hommes qui soient capables de se lancer dans une telle entreprise. Oberstein, Larotière et Eduardo Lucas. Il faudrait que nous puissions découvrir lequel des trois a volé cette lettre. Comme il est possible qu'il ne s'en soit pas encore débarrassé... C'est uniquement une question d'argent avec ces gens-là. Et nous avons le trésor britannique avec nous. Mais si la lettre est à vendre, je l'achèterai. Même si ça doit augmenter l'impôt sur le revenu. Entrez! Pardonnez-moi, monsieur. Qu'y a-t-il, madame Hudson? Lady Hilda Trelawney Hope. Faites-la entrer. Mon mari est-il venu ici, monsieur Holmes? Madame? Oui, j'ai eu sa visite. Je vous en supplie, monsieur Holmes, ne lui dites pas que moi, je suis venue. Madame, vous me mettez dans une situation plus que délicate. Voulez-vous vous asseoir et me dire ce que vous désirez? Mais je vous préviens que je ne peux vous faire de promesses inconditionnelles. Messieurs, je vais vous parler franchement. Et j'espère que cela vous incitera à me parler franchement, vous aussi. Il règne une confiance absolue entre mon mari et moi-même, sur tous les plans, excepté un, celui de la politique. Sur ce sujet, ses lèvres sont scellées, il ne me raconte rien. Pourtant, je sais qu'il s'est produit le plus déplorable des incidents chez nous hier soir. Je sais qu'un papier a disparu. Mais parce qu'il s'agit de politique, mon mari ne veut rien dire et se refuse à me faire confiance. Il est donc essentiel, essentiel, vous entendez, que je sache exactement ce qui est arrivé. Vous êtes la seule personne, mis à part les hommes d'État, qui connaissiez les faits. C'est du moins ce que je pense. Vous le pensez à juste titre, madame. Alors je vous supplie de me dire exactement ce qui s'est passé et ce qui peut en résulter. Dites-moi tout, monsieur Holmes. Garder le silence ne servirait pas les intérêts de mon mari. Parce que je vous assure que ses intérêts, si seulement il le voulait, seraient bien mieux servis en faisant de moi, pour cette fois, sa confidente. Quel était ce papier qui a été volé? Ce que vous me demandez, madame, est impossible. Tout à fait impossible, comprenez-le. Voyez-vous, si votre mari juge préférable de ne rien vous dire de cette affaire, est-ce à moi qui n'ai été au courant du fait que sous le sceau du secret professionnel de décider de vous dire ce qu'il veut vous cacher? Est-ce juste de me le demander? C'est à lui qu'il faut vous adresser. Je l'ai fait, monsieur Holmes. Vous étiez ma dernière ressource.
Mais sans pour cela me dire quoi que ce soit de précis, vous pourriez me rendre un grand service si vous vouliez m'éclairer sur un point. Lequel, madame? La carrière politique de mon mari risque-t-elle de souffrir des conséquences de cet incident? Madame, si tout ne rentrait pas dans l'ordre, il pourrait en effet y avoir des suites fâcheuses. Oh. Je vais encore vous poser une question, monsieur Holmes. D'après une phrase que mon mari a laissée échapper sous l'effet du premier choc de cette catastrophe, j'ai compris que des conséquences terribles pour tout le monde risquaient de se produire à cause de la perte de ce document. S'il l'a dit, je ne le contredirai pas. Des conséquences de quelle nature? Là encore, vous me demandez plus que ce qu'il m'est possible de vous dire. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je ne vous en veux pas du tout, monsieur Holmes, d'avoir refusé de me dire ce que vous savez. Et vous, de votre côté, je suis sûre que vous ne me jugerez pas trop mal de vouloir essayer d'aider mon mari et de partager son anxiété, même contre sa volonté. Je vous supplie encore une fois de ne rien dire de ma visite. Alors là, jamais vu quelqu'un d'aussi remarquable. Et belle en plus. Le beau sexe est votre spécialité, Watson. Qu'est-ce qu'elle voulait en réalité? Ce qu'elle nous a dit est tout à fait clair et son anxiété est très naturelle. Pensez à l'entrée qu'elle a faite, Watson, à ses manières, son comportement nerveux, son état surexcité, à son entêtement à poser des questions. Rappelez-vous qu'elle est la fille cadette du duc de Melminster et qu'elle vient d'une caste où la règle est de maîtriser ses émotions. Elle était sûrement plus émue qu'elle ne le montrait. Et vous avez remarqué, bien sûr, qu'elle s'est toujours arrangée pour tourner le dos à la lumière. Elle ne voulait pas que l'on voie ce qu'exprimait son visage. C'est vrai, elle s'est tenue à contre-jour. Ce qui pousse une femme à agir est si indéfinissable. Comment voulez-vous bâtir sur des sables mouvants? Les plus banales de leurs actions peuvent devenir étonnantes. Et le plus extraordinaire, c'est que leur conduite peut dépendre parfois d'une épingle à cheveux ou d'un fer à friser. Au revoir, Watson. Vous sortez? Oui. Holmes, est-ce que tout à l'heure vous n'avez pas parlé d'Eduardo Lucas? Si. De Golphin Street? Oui. Eh bien, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Il a été assassiné chez lui cette nuit. Quoi? Vous avez dit assassiné? Meurtre dans Westminster, un crime de caractère mystérieux. Eduardo Lucas, célibataire, 34 ans, bien connu de la bonne société pour sa personnalité pleine de charme. Son valet de chambre était sorti. Ils sont toujours sortis. Sa vieille gouvernante qui dormait dit n'avoir rien entendu. C'est toujours comme ça. Peu avant minuit, l'agent de police, Barrett, a vu que la porte était entrouverte. Il a trouvé la chambre de Lucas en désordre et Lucas poignardé en plein cœur. Je veux voir ça de plus près. Un poignard de l'armée prussienne, le vol ne semble pas être le mobile, une collection de grande valeur est intacte. Qu'en dites-vous, Watson? Quelle étrange coïncidence. Une coïncidence? Il s'agit d'un des trois hommes que nous avons désignés comme un des acteurs éventuels de ce drame. Il se fait assassiner dans les heures qui suivent l'instant où nous savons que ce drame s'est déroulé. Tout cela est trop énorme pour que ce soit pure coïncidence. Les deux événements sont liés. Ils ne peuvent qu'être liés. À nous de découvrir quel est ce lien. Mais maintenant, la police doit tout savoir. Non, pas du tout. Ils ne savent que ce qu'ils ont vu. À Golphin Street, ils ne savent et ne sauront rien de Whitehall Terrace. Il n'y a que nous qui sommes au courant et qui puissions faire le lien entre ces deux événements. C'est avec le défunt Eduardo Lucas qu'est la solution à notre problème, Watson. Mais ce serait une énorme erreur d'échafauder une théorie sur le peu que nous savons. Vous allez rester ici, mon cher Watson. Je viens vous rejoindre dès que je le peux. Meurtre dans Westminster. Thank you.
Watson, ils ont arrêté le valet de chambre. C'est Lestrade qui est chargé de l'affaire. Il bourdonne comme une mouche devant de la confiture. Je le connais assez bien. Voulez-vous que je lui demande... Ah non, je ne veux pas. C'est une affaire où la loi est aussi dangereuse pour nous que les criminels. Il faut être patient et attendre. Non, 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 merci, Madame Hudson, je ne veux rien. Vous avez tort, les nouvelles n'ont jamais nourri personne. Oh, écoutez ça, Holmes. Ils ont trouvé l'assassin. C'est une femme qui l'a tué. Vraiment? C'est une dépêche venant de Paris. Apparemment, Lucas menait une double vie. Il avait une femme d'origine créole en France où il se faisait appeler Henri Fournet. Cette femme a été dénoncée à la police hier par ses domestiques. Elle souffre de folie, elle est atteinte d'une manie qui se présente sous une forme dangereuse et permanente. Pauvre femme. Oh, écoutez, Holmes. Cette même femme a été vue rôdant dans les parages de Golphin Street la nuit du meurtre et elle a ensuite provoqué un scandale à la gare de Charing Cross. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mon cher Watson, je vous ai fait assez souffrir. Si je ne vous ai rien dit ces derniers jours, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Et même cette dépêche de Paris ne nous aide pas beaucoup. Mais... En tout cas, nous savons maintenant qui a assassiné Lucas. La mort de cet homme n'est qu'un incident, un épisode banal en comparaison du travail que nous avons à faire, qui est de retrouver ce document et de sauver l'Europe de la catastrophe. Voyons, si cette lettre était perdue... Non, non, elle ne s'est pas perdue. Mais si elle ne l'est pas, où peut-elle être? Qui la détient? Pourquoi ne réapparaît-elle pas? Eh bien, si Lestrade l'avait trouvée en fouillant dans les papiers de Lucas, il ne l'aurait pas crié sur les toits. Il en aurait informé le chef de la police. Le chef de la police en aurait informé le secrétaire d'État, ce dernier le premier ministre. Non, elle n'était pas dans les papiers de Lucas. Pourquoi ne réapparaît-elle pas? Voilà la question qui bat dans ma tête comme un marteau. Était-ce une simple coïncidence que Lucas se soit fait assassiner la nuit où la lettre a disparu? L'a-t-il jamais eu? Est-ce que sa femme, qui est folle, l'a emportée avec elle à Paris? Si oui, est-ce que la lettre est chez elle à Paris? Dois-je aller à Paris? Ce serait alerter la police française. Il n'y a pas un élément qui ne soit pas contre nous. Et pourtant... Pourtant, les intérêts en jeu sont colossaux. Si jamais je pouvais donner à cette affaire une conclusion heureuse... Ce serait certainement le couronnement de ma carrière. Holmes! Oh, oh, oh. Putain. Les dernières nouvelles! Les dernières nouvelles! S'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Les dernières nouvelles. Tiens, tiens. Monsieur Holmes, Dr. Watson. Les dernières nouvelles. Très heureux de vous rencontrer. Vous avez sûrement suivi l'affaire Lucas. Lucas? Lucas. Ah oui, ce nom me semble familier. Eduardo Lucas, on l'a trouvé assassiné mardi dernier chez lui à Golphin Street. Quelqu'un de distingué, un gentleman, s'intéressant beaucoup à la politique internationale. Remarquable linguiste, à ce qu'on dit.
C'est moi qui ai été chargé de l'affaire, évidemment. Une tâche difficile à confier à n'importe qui parce qu'elle posait quelques petits problèmes délicats, voyez-vous. Mais avec l'aide de mes compatriotes, j'ai pu donner à cette affaire une conclusion tout à fait satisfaisante. Tout est bien qui finit bien. On a tout reconstitué, c'est clair comme de l'eau de roche. Eh bien, toutes mes félicitations, Lestrade, vous avez été égal à vous-même. Oh, merci. Félicitations. Non, avant que vous ne vous en alliez, Monsieur Holmes, ce n'est qu'un détail, mais c'est le genre de choses qui vous intéresse. Un détail étrange que l'on pourrait qualifier d'insolite. Mais ça n'a rien à voir avec l'assassinat de Lucas, ça n'a même aucun rapport. De quoi s'agit-il? Eh bien, messieurs, si vous acceptiez de venir à Golfin Street, je pourrais tout vous expliquer plus facilement. J'ai quelques minutes à vous accorder. Oh, ben, c'est juste au coin de la rue. Et, cocher, je vous remercie. Et, gardez la monnaie. C'est là. Donc, la femme a certainement frappé à la porte quand elle a vu que le valet était sorti. Une visite surprise, sans doute. Lucas l'a laissé entrer, puisque c'était sa femme, il lui était difficile de la laisser dehors. Il est probable qu'elle s'est mise à hurler, puisqu'elle est folle. Excusez-moi. En lui disant comment elle l'avait retrouvée, elle l'a peut-être giflée. Enfin, bref, ils sont entrés ici, le ton de la discussion a dû encore monter, et avec un des poignards qui sont accrochés, elle a eu le dernier mot. En réalité, tout n'a pas dû se passer aussi vite que ça, parce que les sièges étaient renversés contre le mur et il tenait celui-ci à la main comme s'il avait essayé de s'en servir pour la repousser. Monsieur Lestrade, merci. Si vous nous parliez de ce détail insolite... Eh bien, vous savez que dans les crimes de ce genre, rien ne doit être déplacé. C'est ce que nous avons fait. Un agent a été en faction jour et nuit. Je suis toujours très pointilleux sur ce genre de choses. Or, vous êtes toujours très méticuleux dans vos enquêtes, inspecteur. Merci. Donc, ce matin, nous avons pensé que nous vions ranger, puisqu'on avait emporté le corps et que pour nous, l'enquête était terminée. Toutefois, ce tapis que vous voyez là, il n'est pas fixé, mais il est tout simplement posé. Et le hasard a fait que nous l'avons soulevé. Alors, nous avons découvert... Oui? Je suis prêt à parier une fortune que vous ne devineriez jamais ce que nous avons découvert, Monsieur Holmes. Vous voyez cette tache? Eh bien, une grande partie du sang aurait dû s'infiltrer, n'est-ce pas? Oui, cela va de soi, bien sûr. Alors, je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'existe aucune tâche qui corresponde à celle-ci sur le plancher. Aucune tâche? Il devrait y en avoir une. Oui, vous avez raison. Mais c'est un fait. Il n'y en a pas. Pourtant, il y a autant de sang dessous le tapis que dessus. Ça a forcément laissé une trace. Non, attendez, je vais vous montrer où est l'explication. Il y a une seconde tâche, mais qui ne correspond pas à celle-ci. Docteur Watson, voulez-vous prendre le côté de ce tapis? Très volontiers. Nous allons le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce que je me demande, Monsieur Holmes, c'est qui a tourné ce tapis? Et pourquoi? Lestrade, qui était de faction le lendemain du meurtre? Et le lendemain... MacPherson, c'est lui qui est dehors. À votre place, je lui ferai subir un interrogatoire serré. Je vais le chercher. Ne le faites surtout pas devant nous. Nous allons vous attendre ici. Dites-lui que vous savez que quelqu'un est entré ici. Brusquez-le. Faites-lui peur en lui disant que les aveux sont sa seule chance. Faites exactement ce que je vous dis. Je vous assure que s'il sait quelque chose, il va me le dire. Watson, vite, la table. Thank you.
C'est vite. Holmes! Ah, vous pouvez être fier de vous, Macpherson. Je vous fais mes compliments. Allons, allons, entrez. Macpherson, votre famille va bien? Très bien. Merci, monsieur. Oh, trêve de politesse, voulez-vous? Racontez à ces messieurs de quelle façon inexcusable vous vous êtes conduit. Eh bien, si j'ai mal agi, c'est involontairement, monsieur. Une jeune femme est arrivée devant la porte, elle venait répondre à une annonce qui demandait une secrétaire. Elle m'a dit qu'elle s'était trompée de maison, et puis on a discuté, vous savez ce que c'est. On se sent un peu seul quand on est de garde toute la journée. Qu'est-il arrivé ensuite, Macpherson? Eh bien, on en est venu à parler du crime. Elle a dit qu'elle avait vu ce qui s'était passé dans les journaux, et qu'elle aimerait voir où c'était arrivé. Alors je me suis dit que ce ne serait pas grave si je lui laissais jeter un coup d'œil. Elle était à peine entrée dans la pièce que... elle a remarqué la tache de sang sur le tapis et elle est tombée par terre comme si elle était morte. Et lui, il ne s'est pas étonné. Continuez, Macpherson. Alors je me suis précipité au bar qui est au coin de la rue pour aller lui chercher un peu de brandy. Et quand je suis revenu, la jeune femme n'était plus là. Elle était revenue à elle, elle était partie. Elle a dû avoir honte et elle n'a pas osé se retrouver en face de moi. Macpherson, avez-vous bougé le tapis? Non, monsieur, je l'ai juste remis droit. Elle était tombée dessus et comme le parquet est ciré, il avait un peu glissé. Que cela vous apprenne, Macpherson, qu'on ne me trompe pas facilement. Vous croyez sans doute que ce manquement à votre devoir ne serait jamais découvert. Un simple coup d'œil à ce tapis a été largement suffisant pour que je m'aperçoive qu'on avait fait entrer quelqu'un ici. C'est une chance pour vous qu'il ne manque rien. Sinon, je vous laisse imaginer les ennuis que vous auriez eus. Disposez. Watson, mais que faisons-nous ici? Nous avons du travail qui nous attend. Vous avez encore été égal à vous-même, Lestrade. Oh, merci, monsieur Holmes. C'est incroyable, monsieur Holmes. Vous avez trouvé la solution? Presque, Watson, presque! Ah. Deux messieurs désirent vous parler, madame. Ils n'ont pas de rendez-vous. Qui sont-ils, Bates? Un certain monsieur Sherlock Holmes et un certain docteur Watson, madame. Très bien. Faites-les entrer. Comme vous voudrez, madame. Pardon. Mais, monsieur Holmes, c'est le docteur Watson, madame. Monsieur Holmes, voici qui est un manque total de loyauté et de générosité de votre part. Je désirais, comme je vous l'avais expliqué, que ma visite restât secrète. Et voici que vous me compromettez en venant ici, ce qui signifie que nous avons été en relation d'affaires. Malheureusement, madame, je n'avais pas la possibilité d'agir autrement. On m'a chargé de retrouver un document d'une immense importance. Avant tout, je dois vous demander d'avoir la gentillesse de me donner le document en question. Vous m'insultez gravement, monsieur Holmes. Vous ne faites pas ça, madame. Si vous collaborez avec moi, je peux tout arranger. Dans le cas contraire, je devrais vous mettre en cause. Vous essayez de me faire peur? Je trouve que c'est monstrueux de vous présenter ici pour intimider une femme. Vous prétendez avoir quelque chose à me dire. Très bien, je vous donne 5 minutes. Une seule suffira, Lady Hilda. Je sais que vous êtes allé chez Eduardo Lucas, que vous lui avez donné cette lettre, que vous êtes retourné de façon ingénieuse dans la pièce le lendemain soir du meurtre, et de quelle manière vous avez récupéré cette lettre qui était soigneusement cachée sous le tapis. J'ai conservé ceci en pensant que ça pourrait être utile.
Le policier vous a reconnu. Alors là, monsieur Holmes, j'ai le regret de vous dire que c'est absurde et ridicule. Je suis vraiment désolé, Lady Hilda, j'ai fait de mon mieux. Mais je vois que c'était en vain. Ah, est-ce que monsieur Trelawney Hope est là? Il doit rentrer à 12h30, monsieur. Alors nous avons un quart d'heure devant nous. Nous allons attendre ici. Épargnez-moi, monsieur Holmes, je vous en supplie. Pour l'amour du ciel, ne lui dites surtout pas. Je l'aime tellement. Je ne voudrais pas lui faire de chagrin. Je sais que si vous lui dites la vérité, ça va lui briser le cœur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Où est la lettre? La voici. Je souhaiterais ne l'avoir jamais vue. Où se trouve le coffret? C'est mon mari qui l'a, où qu'il aille, il l'emporte avec lui. Ah! Nous n'avons que quelques minutes. Il faudrait que... Lady Hilda, pour vous épargner, je vais aller très loin. En échange, vous avez juste assez de temps pour me raconter franchement toute cette extraordinaire affaire. C'était l'après-midi de ce jour, cette... horrible jour. Celui où Edward Lucas fut assassiné? Oui. Je devais aller voir des gens, je me préparais à sortir quand une lettre confidentielle est arrivée pour moi. C'était Lucas qui me l'envoyait. Il disait qu'il fallait que je vienne le voir tout de suite, qu'il avait d'importantes informations de caractère privé à me communiquer sous le sceau du secret. Il s'était procuré, je ne sais comment, une lettre de moi. Une lettre de caractère intime que j'avais écrite avant mon mariage. Une lettre stupide, d'une jeune fille amoureuse et impulsive. Il n'y avait rien de mal. Et pourtant, mon mari l'aurait jugée criminelle. S'il l'avait lu, il n'aurait plus jamais eu confiance en moi. Il y a des années que je l'avais écrite et je pensais que cette histoire était oubliée. Vous vous souvenez sûrement du contenu de cette lettre? Elle est très explicite, si je puis dire. Très explicite, cette correspondance est charmante. Que voulez-vous de moi, monsieur Lucas? Puis-je récupérer ma lettre, je vous prie? Bien sûr, vous le pouvez, Lady Hilda. Mais si je vous disais que cette feuille de papier a beaucoup de valeur, vous seriez d'accord? Je suis sûr que si elle tombait sous les yeux de votre mari, il ne manquerait pas d'en apprécier le contenu. Maître chanteur. Homme d'affaires, Lady Hilda. Il ne s'agit pas d'autre chose que d'une transaction commerciale. Je vous assure que je ne veux vous causer aucun tort, ni à vous, ni à votre mari. Quelle somme voulez-vous pour me rendre cette lettre, monsieur Lucas? Il ne s'agit pas d'argent, madame. Les affaires que je traite ne sont pas aussi simples que ça. Bien. Ce que je veux n'a rien de difficile. Tous les soirs, quand votre mari revient de son ministère, il apporte son coffret privé où il place ses documents. Vrai ou faux? Oui. Quand il va rentrer chez vous ce soir, ce coffret contiendra une longue enveloppe bleue scellée d'un cachet de cire rouge, représentant un lion couché. Apportez-moi cette enveloppe bleue, avec ce qu'elle contient, et je vous rendrai ceci. Mais...
Mon mari... Rassurez-vous, il ne risque absolument rien. À ce moment-là, comment pouvais-je en être sûre? Que pouvais-je faire? Il fallait mettre votre mari dans la confidence. Mais je ne pouvais pas, Dr. Watson, je ne pouvais pas. D'un côté, je risquais ce bonheur auquel je tenais. Et de l'autre, c'était horrible de vouloir voler ce papier à mon mari. Si sur le plan politique, j'étais tout à fait ignorante. Sur le plan de l'amour et de la confiance, je savais une chose. Je devais tout faire pour les garder. Et je l'ai fait, Monsieur Holmes. Je l'ai fait. J'ai prétendu que je devais aller au théâtre. J'en étais sûre. Je le savais. Alors c'est toi, sa nouvelle petite poule. Marianne, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que moi? Marianne, tu sais bien que tu n'as pas le droit de passer le comme ça. Arrête. Je suis sa femme. Marianne, ça suffit. Je te déteste. Marianne, tais-toi. Ne me touche pas. Tu vas arrêter. Garde ça pour ta maîtresse. J'en ai assez. Tu m'entends assez. Je ne te le pardonnerai jamais. Le lendemain matin, j'ai réalisé que j'étais sortie d'un drame pour retomber dans un autre. Je suivis mon mari à Baker Street et je suis venue vous voir pour essayer de mesurer l'énormité de ma faute. J'étais la seule au monde à savoir où le papier était caché. Je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à la façon de le récupérer. Et j'ai trouvé. C'est lui qui arrive. Vous avez des nouveaux, Monsieur Holmes? J'ai quelques espoirs. Il s'agit d'une affaire de politique, ma chérie. Ça ne sera pas long. Le Premier ministre déjeune avec nous. Vous voulez bien lui faire partager vos espoirs? Il a des nerfs d'acier, quoique je sache très bien qu'il dort aussi mal que moi ces derniers temps. Ah, Monsieur Holmes a du nouveau, monsieur. Ah! Qu'avez-vous de nouveau, Monsieur Holmes? Oh, pour l'instant, rien que du négatif. J'ai cherché le document partout où je pensais qu'il pouvait être et j'ai la conviction qu'il n'y a rien à craindre. C'est insuffisant, Monsieur Holmes. Nous ne pouvons vivre sur ce volcan. Il nous faut quelque chose de précis. J'ai le grand espoir d'arriver à récupérer cette lettre. C'est pourquoi je suis ici. J'avoue que plus j'y pense et plus je suis convaincu que cette lettre n'a jamais quitté cette maison. Non, monsieur. Mais pourquoi l'aurait-on volée si c'était pour la laisser ici? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on l'ait volée, figurez-vous. Si c'est une plaisanterie, elle est d'un goût douteux. J'affirme que cette lettre a été volée. Avez-vous examiné à fond le coffret depuis mardi matin? Non, pas à fond. J'ai jugé que c'était tout à fait inutile. Vous pourriez très bien ne pas avoir vu la lettre. Ça, c'est impossible, monsieur. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous avez d'autres papiers dans oui, ce... Oui, tous mes documents confidentiels. Elle a pu se mélanger elle à était eux. Sur le dessus. Le coffret a pu être secoué. J'avais tout sorti. C'est facile à vérifier. Il n'y a qu'à regarder.
C'est une perte de temps ridicule. Enfin, s'il n'y a que ça pour vous satisfaire, après tout, pourquoi pas? Tous mes documents confidentiels sont là, comme vous le voyez. La lettre de Lord Merrow, le rapport de Sir Charles Hardy, le mémorandum de Belgrade, dont nous discutions ce matin, monsieur le Premier ministre. Oui, oui. Une note sur les transactions agricoles russo-germaniques, une lettre de Madrid, une note de Lord Flowers. Oui, c'est elle! Et la lettre est intacte. Remarquable! C'est incroyable! C'est impossible, monsieur Holmes. Hilda! Comment saviez-vous qu'elle était là? Parce que je savais qu'elle n'était nulle part ailleurs. Je n'en crois pas mes yeux! Hilda, nous avons retrouvé la lettre! Je sais que pour toi, c'est difficile à comprendre. Mais c'est la plus merveilleuse des nouvelles. Oh, ce qui arrive est extraordinaire. J'avais fouillé le coffret de fond en comble, j'avais vérifié, revérifié. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu ne pas la voir. Monsieur. Cette lettre est sans doute plus secrète qu'elle ne paraît. Monsieur le Premier ministre, nous avons nos secrets diplomatiques, nous aussi.